Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Comment je vais, comment je suis, comment je vis? Les choses fondamentales en ce moment. De se repositionner, de se poser des questions, de savoir comment on a envie de vivre dans l'après, de quelle façon, ou comment on n'a plus envie de vivre et d'être. Pour pouvoir faire des choix sur un avenir prochain. Un choix, des choix qui seront meilleurs pour vous et pour votre entourage. Donc, cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer au niveau des séances de sophrologie et puis où je vais moi aussi. Voilà. Donc, le cabinet est ouvert à Saverdin, 21 rue de l'Avenir. Voilà. Quel symbole! Quel symbole! Le cabinet est ouvert et je reçois déjà en téléconsultation par Skype ou par WhatsApp. Si vous avez besoin, prenez rendez-vous au 07 50 31 26 33 ou par Facebook. Ces téléconsultations, je ne fais pas payer. Je ne fais pas payer puisque la sophrologie, normalement, c'est une rencontre. Voilà, c'est une rencontre, un lien vraiment physique, enfin un échange avec la personne vraiment humain. Donc voilà, je serai dans l'écoute active, dans l'empathie et puis dans quelques conseils sur des choses en sophrologie que vous pouvez pratiquer. Voilà. Ensuite, les rendez-vous pris à partir du 11 mai seront pris au cabinet et seront à tarif normal, comme avant, à 45 euros pour une heure. Donc sur une heure, il y a l'accueil, l'écoute active. Moi, ce que je peux vous proposer en séance de sophrologie par rapport à ce que vous me dites, ce que vous avez envie de travailler, soit sur la gestion du stress, les émotions, la douleur, le deuil, les peurs, l'avenir. Préparer un petit peu l'après, on pourra travailler sur tout ce que vous avez besoin de travailler. Donc déjà, ces deux choses. Ensuite, voilà, j'ai enregistré une séance de sophrologie, sophro de base, en live. Vous l'avez sur ma page Facebook. Donc cette séance, vous pouvez la repratiquer. N'hésitez pas à repratiquer, à refaire. Puis la sophrologie, ce sont des entraînements de la conscience, entraînements du mental pour aller mieux, c'est-à-dire de voir la vie différemment, de voir la vie sous un autre angle pour mieux appréhender votre avenir. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais échanger aujourd'hui avec vous. Je suis très contente des retours que les personnes me font sur Messenger. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je pense à Cécile, par exemple. Voilà, je te fais une dédicace. Et comme je te disais, le chemin est beau. Voilà, le chemin est beau. C'est la façon dont on marche sur le chemin, dont on voit la vie, comment on voit les choses, qui modifie notre façon d'être et de penser, notre conscience. Donc je serais ravie de vous accueillir dès que vous le souhaitez, à Saverdin, à mon cabinet. Et ensuite, d'ici les mois à venir, nous verrons et je proposerai aussi des séances de sophrologie en groupe. Mais bon, pour l'instant, je reprends sur l'individuel. Merci beaucoup pour votre écoute.
N'hésitez pas à me poser des questions aussi, comme je vous disais, sur peut-être mon parcours, sur la sophrologie, sur comment je peux vous accompagner sur certaines difficultés, sur certaines émotions, certaines choses qui vous bloquent peut-être, sur des peurs. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, je pourrai y répondre. Et ensuite, le plus important, c'est quand même la rencontre. La rencontre d'un sophrologue diplômé, pédagogue, et votre accompagnement. Voilà, c'est une rencontre vraiment humaine. Voilà. Sans jugement, remplie d'empathie et de respect. Merci pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, une très bonne journée.